Putain, juste là où j'avais posé mon panier, je l'avais pas vu. Et là, je me suis arrêté 2 minutes, et là voilà. Seconde place de la journée. J'ai la nette impression que la pluie les a fait sortir. Très joli. Une petite là-haut qui a dû être écrasée aussi, apparemment. Voilà, elle n'est pas terrible, je vous l'accorde. Et le clou du spectacle. Magnifique. Allez, on va les couper. Ça fait 3 jours que je suis pas venu. Cache. Voilà. Tac. Hop.
Voilà le résultat, une fois coupée. Et une que j'avais oublié cachée dans l'herbe. Coquine. Et encore une qui joue à cache-cache. Voilà, faut pouvoir y chercher là-dedans. Hein. Putain, j'en retrouve encore, hein. Encore deux qui jouent à cache-cache. Bah quand on voit la merde qu'il y a, hein, il faut prendre le temps de tout soulever. Hein. Et des fois on a des belles surprises. Hein. T'as regardé celle-là là, si elle est pas belle. Magnifique, non? Magnifique. Parfois, faut bien les chercher dans les coteaux. Encore une très jolie. Alors voilà où c'était super sec il y a quelques jours là dans ce coteau. Une heure sortie avec la pluie. Elle est pas vilaine déjà. Et voilà la deuxième. Bon, eh ben, pour finir en beauté, hein. Une jolie petite là, une derrière le rocher là, un peu jaune, on voit un petit peu manger, et là, hein, l'apothéose, encore une énorme jaune, magnifique, magnifique. Alors, à la couper. Ah, elle est dans les cailloux. Oh, la coquine. Elle doit être posée sur un caillou. Voilà, je l'ai eu. Et voilà, superbe. Elle fait la longueur de la main. Fin de journée, retour vers le ruisseau. Voilà, un joli panier.